Jean de La Fontaine, la lionne et l'ours. Mère lionne avait perdu son faon, un chasseur l'avait pris. La pauvre infortunée poussait un tel rugissement que toute la forêt était importunée. La nuit, ni son obscurité, son silence et ses autres charmes de la reine des bois n'arrêtaient les vacarmes. Nul animal n'était du sommeil visité. L'ours enfin lui dit « Ma commère, un mot sans plus. Tous les enfants qui sont passés entre vos dents n'avaient-ils ni père ni mère ? Ils en avaient. S'il est ainsi, et qu'aucun de leurs morts n'ait nos têtes rompues, si tant de mères se sont tues, que ne vous taisez-vous aussi ? Moi me taire, moi malheureuse, ah, j'ai perdu mon fils, il me faudra traîner une vieillesse douloureuse. Dites-moi, qui vous force à vous y condamner ? Hélas, c'est le destin qui me hait. Ces paroles ont été de tout temps en la bouche de tous. Misérables humains, ceci s'adresse à vous. Je n'entends résonner que des plaintes frivoles. Quiconque, en pareil cas, se croit haï des cieux. Qu'il considère et cube, il rendra grâce aux dieux.